bizarre, bizarre. Ah, gimmick, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. Oh, mais attends, Jamie, on pourrait aller là. Je vais pas prendre le risque, j'ai 14 000 âmes dans la nature. Peut-être une autre fois. Après, moi, je trouve stylé le boss de cette zone. Tu prends un gros screamer hein, quand tu le vois, c'est sûr. Reste tranquille. Bonjour à tous. Bonjour. C'est ce moment où t'es pas vraiment rassuré, tu sais, tant que t'as pas récupéré tes âmes. On a jamais été par là. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, juste un. Juste ça. Toi, t'es un oursin sur les couilles. Hein. Tu commences à me saouler. Tout ça pour ça. Ok, bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bonjour les potes, salut. Eh, faut manger, hein. Vous êtes un peu maigre. Ah. Est-ce que la boule peut faire un pentakill pour moi, s'il vous plaît? Bon, presque, c'est pas grave. Allez, on y retourne. Ok, alors, on a tué quelques-uns, c'est cool. Le feu est juste là. Hein. Ok, le feu est juste là. Comment je vais faire, putain, pour l'atteindre? Il est pas là, là-bas, il y a des murs. Il y a des murs à la con. Là-bas, c'est un bordel incommensurable. Là-bas c'est bloqué, ok. Oula. Et si je descends là directement? Bonjour à tous. Oh putain. Wouah. Ouais, c'est là, hein. Ouais, c'est là. Je me disais bien qu'il y avait une boule. Et le feu est ici. Ok, ça c'est cool. Donc je l'avais passé tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas t'adopter. Quelqu'un pour me dire la zone où on est? Catacombe de Cartus. Voilà, Cartus, c'est le petit jungler AP, tu connais. Ça c'est bizarre de dire ça, jungler Cartus. Ça me manque de plus le voir au mid, ce con. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ok, je vois. D'ailleurs, je me rappelle de Zolig, là. Zolig, je l'avais battu ici, ce petit con. Je l'avais battu là et je m'étais servi de la boule pour l'écraser. Je m'en rappelle très très bien. Bon, voyons le côté positif. Même si on crève, au moins on réapparaîtra ici, c'est cool. Ok, la boule vient de tuer quelqu'un, c'est cool. Allez, nice. Je me tire. Je me tire. Ah bonjour. Je sais même plus où je suis censé aller. Ah bah là.
Ah non, pas là du tout. Ah si, là. Quelle horreur, putain. Mais quelle horreur. Vite, Jamie. Le pompon de CD, mon cul. Oh, le screamer. Eh les Romains, vous êtes des Romaines. Incroyable. Alors, le boss d'ici est plutôt stylé. Ah mais j'ai oublié, alors j'ai renforcé ma tuile d'Estus, mais j'ai oublié de m'en rajouter une. J'ai un fragment d'Estus. Merde. On s'enchaîne les boss, on en a combien là? Au troisième, ça rigole plus. C'est quand même con qu'on ait first try le Veilleur des Abysses, mais pas celui-là. Celui-là, je confirme que je l'avais first try dans ma première run. Le truc, c'est que... il est pas dur, mais il peut te prendre en traître. Texte sur Fortnite si tu first try pas. Ah! Ah! Ah bah de toute façon, on aura peut-être un jour, hein. De texte sur Fortnite. Oh là là, il fait tout noir et il y a un seul item. Je me demande ce qui va se passer. Oh là là. Oh shit! Oh, il me fait du mal. Il m'a gerbé dessus, ce con. C'est un bordel. Il fait quoi ce con? Oh putain. T'imagines, tu te réveilles la nuit, tu vois ça? Ok, plus qu'un Jamie, let's go. Il va sortir sa petite épée de con. Il a pas une épée normalement? Bah. Attendez, au témoin d'un doute, il a une épée normalement. Dans mes souvenirs, il sort une grosse épée. Complètement con celui-là. On a peut-être une bonne RNG, ouais. Ouais, ouais, ça doit être ça. Dans ma première run, je me rappelle qu'il avait une grosse épée. Bon, 3 boss, 3 first try, c'est bien. Bon, après, c'était pas les plus compliqués là, le premier et le dernier. Alors, moi j'annonce, quelqu'un me demandait l'autre fois c'est quel boss sur lesquels on va me voir galérer. Je vous le dis, Pontife Sudivant. Lui, voilà. C'est le boss de la run normale hors DLC sur lequel j'ai le plus galéré. Mais vraiment. Je pense que lui, quand tu joues une arme lourde, c'est compliqué. Pontif suivant, j'ai galéré ma race. Qui pour le coup, lui, est un vrai méchant. Il est pas gentil. Lui, pour le coup, c'est un véritable antagoniste. C'est vraiment un gros bâtard. D'ailleurs, il y a pas longtemps, on a appris que c'était censé être le boss final du jeu au tout début, enfin pendant le développement.
Welcome us. Very well, then taken. Ok, super. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu 20 en vie? À mon avis, on est bien là. On est bien. Merci Giga Poulette pour le Prime. Farewell, Ashen One. Combien? 12 000? Ah ouais, ok, bon. Ça aurait été un boss final stylé. Ouais, ouais, on a appris il y a pas longtemps du coup que ça devait être le boss final. Et quand tu regardes son lore et tout, tu te rends compte que c'est vraiment un gros bâtard. Pour le coup, lui, c'est un véritable antagoniste. C'est un vilain, comme disent les Anglais. À cause de lui, en partie, que Gwendoline se fait digérer par... Enfin, se fait bouffer par... Putain, comment il s'appelle? Aldrich, non? Le gros tas de morve, là. C'est dark, hein. C'est dark. Et là, oh là 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 là, tu fermes ta gueule, là. Là... Tout simplement inouï. Sublime, sensationnel. C'est celui que j'affectionne le plus personnellement. Oh là 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 là. Ah, si je m'étais pas spoil que là-bas c'est un Orlando, j'aurais tellement kiffé, mais bon, je m'étais spoil avant de jouer au jeu. Pff. 2016 le jeu, et t'as des jeux qui sortent cette année ou aujourd'hui qui font moins bien en termes de DA. Eh ben. Eh ben dis donc. Oh non, j'aime pas ce moment non plus. J'aime pas ce moment. Je ne l'aime pas du tout. Ça vous dit, regarde pas derrière nous? Venez, regarde pas derrière nous. Ah. Ah, le nulos! Eh, hey, t'es trop nul! Allez, dégage. Run, bitch! Run! Par contre, le problème, c'est que quand tu le tues pas ici... Alors, je sais pas, faudrait que vous me disiez. On se demandait avec Pierrette. Quand tu le tues pas ici, en fait, il apparaît ailleurs. Je sais pas si c'est le même ou si c'est un autre mob. Genre, si même tu le tues ici, il réapparaît en bas. Moi, de ce que j'ai compris, comme je l'ai pas tué ici, il va me casser les couilles en bas. On n'a jamais su avec Pierrette. On sait pas si c'est le même que celui d'en bas ou si c'est deux monstres différents. Ah, c'est le même, ouais, donc c'est ce qui me semblait. Si tu le tues pas ici, tu fais chier en bas, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Bah let's go hein. Alors pour le coup moi je trouve que c'est à partir de cette zone là qu'il y a un step up en termes de difficulté. Que ce soit au niveau des trash mobs, de la zone ou même du boss Pontife Suivant. Là vraiment à partir d'ici tu step up en termes de difficulté. Ah, pour moi il y a vraiment une rupture à partir de là. Mais la zone est tellement belle, on s'en fout, on s'en fout. Ok, impossible par là. Attends, je vais remonter le son parce que je l'ai baissé pour venir. Putain, attends, je suis attrapé. Je suis sur OBS, ma gueule. Oh, j'étais sur OBS, merde. Chier. Bouge partout. 4 fois hein. 4 fois hein. Putain. Alors j'entends quelqu'un gueuler. Ça va être une sacrée diarrhée ça quand même. Ok, le grand fragment de titanite. On va peut-être pouvoir booster la clé mort bientôt.
pied. Oh pute! Bien joué. Bien joué, bien joué. Ok, cool. Non, j'avais testé le build de Dex double lame. Mais là, c'est parce que c'est notre premier run ensemble, donc je joue classique. Mais je pense que si un jour je refais Dark Souls 3, je testerai une autre arme. J'ai déjà envie de tester l'arme de du Veilleur des Abysses. Voilà, c'est pareil, j'aime pas ce mob là. Ah, c'est le bordel ici. Le mec qui m'envoie du feu dans la gueule. Qu'est-ce qu'ils font déjà? Ok, d'accord, sacré dégâts. Ouais, lui là-bas, lui. On te connaît, toi, on te connaît. Putain, il est trop chiant, lui aussi, là. À l'autre au-dessus là, il me vise. Salaud. Hein. Ah, lui il est chiant. Lui. Casse-couille. Je sais pas où est le deuxième feu par contre. D'accord. Ok, super. Tout ça pour... Ok, ça valait le coup. Ça valait le coup, je vais pouvoir booster la... La Claymore. Ah, vous êtes deux. Ah d'accord, vous êtes deux, c'est nouveau ça, super. J'aime beaucoup. Est-ce que je peux attirer l'aggro d'un seul? C'est pratique. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il crache quoi là? De me cracher dessus, je te le dis. Hein. J'entends des bruits de pas partout. Johnson. Pourquoi les backstabs, c'est toujours dans le cul? Réponse, le cul est un point sensible. C'est vrai. Tu dis des mots vrais. J'aimerais bien trouver le deuxième feu de camp, mais je sais plus du tout où il est ce con. Je me rappelle que là il y a un mec en dessous, ouais. Là il y aura la porte à ouvrir ici, super, d'accord. Ah là c'est bloqué. La gemme de foudre. J'ai mal. Ça fait pas du bien au cul. Seize mille âmes. On peut passer un level si on trouve un autre bonne fois. Ah, parfait ça, parfait. Cool. Parce que je me rappelle que j'avais pas mal galéré dans cette zone. J'avais recommencé le début de la zone plusieurs fois. Ok, très bien. Très très bien ça. Bon, que je booste un petit peu la clé mort et... Ça.
Non, c'est pas ça que j'ai, putain. C'est auprès d'André qu'il faut le faire. Ce bon vieil André. Ok. La clé bord, on peut la booster. Qu'est-ce qu'il faudra? 6 grands fragments de titanite. Eh ben mon cochon, tu te fais pas chier, hein, je te le dis. Welcome home, Matsu. Very well. Tu te fais pas chier. Farewell, Ashen One. Nous sommes niveau 47. Très bien. Il faut que tu testes l'arme du viewer des abîmes. C'est un fus Roda mais version backseat qui fait fuir des gens par centre. C'est une arme magie. Ah par contre c'est une arme magie. Ah. Ça peut être sympa ça. Ça j'aime bien. Alors. Alors déjà avant de continuer j'aimerais bien retourner un peu en arrière parce qu'il y a des trucs que j'ai ratés je pense. Quoique. Peut-être pas en fait. Mais en fait ça sert à rien d'aller là-bas parce que tout est fermé. Qu'est-ce qu'on a là-bas à droite? Ah bon, il y a un item là. Ça sent le truc ouf. Ah. C'est bien. Encore 5 grands fragments de titanite, c'est cool, j'aime beaucoup. Ok, les trois là-bas, ça s'est fermé je suppose. Bon, je vais continuer. Oh là là, mais les grands fragments titanite, mais oui, encore, oui. Encore 4. Salut Mopajo. Très bien. Non mais attends, où est-ce que je dois aller? En haut ou en bas? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a en haut déjà? C'est pas dans le coin qu'il y a Yorn le géant? Ah non, Yorn il est dans la... Dans les cachots là. Enfin, faut passer par les cachots de la zone pour l'atteindre. Ça je comprenais pas quand je jouais Elden Ring et que je me tapais Ricard, on me disait c'est comme Yorn. Yorn? Mais de quoi parles-tu? Tu es fou? Qu'est-ce que tu fais? Il a fait son émote? Pourquoi il fait son émote le Fabio là? Ça casse les couilles, c'est ça. Comment ça nous faire chier celui-là hein? Bah, tu crois que je t'ai pas vu? Tu es fou. Oh no. Oh no, pas le Dogo. Not the Dogo. Holy shit! Est arrivé ce qui devait se passer. Tu meurs avec 10 popos. Mourir avec 10 popos, telle est la dure loi des deux chiens qui t'enchaînent sans pouvoir rien faire. Bande de petits chiens de la casse, là c'est le cas de le dire. Ah c'est le cas de le dire. Ça fait chier. Bon tu me diras j'avais pas beaucoup d'âme non plus hein. C'est pas non plus la mort. Petite coloscopie monsieur. Ça vous dit? Allez, ça dégage. Ça me donne envie de rejouer Elden Ring, tout ça. Puis j'ai commencé une run en off, pour préparer le DLC. À moins que je le fasse sur PC, mais. Tellement stylé Elden Ring. Bon!
Et si je leur prenais, si je les prenais à leur propre jeu, et si c'est moi qui... Mais... On a frôlé la catastrophe. Et si c'est moi qui leur fonçais dessus? Il y en a trois. Ah, d'accord. Le gourgandin, il a essayé, hein, le coquin de tout à l'heure. Ouais. Il a essayé de me choper, hein. Salaud. Ok, alors ça c'est la zone tout sombre. Attention, ça fait un petit peu flipper. Bonjour. Bonjour. Alors là-bas, il y a un coffre. Je ne vois rien. Bonjour à tous mes fans. Oh les dégâts. Pas cher là. Aidez. Bon eux les prochaines fois je les skip. Il rapporte pas grand chose en plus, un peu con. Pourquoi tu fais ton émote, frérot? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, les viewers, tu te sens plus, tu te la racontes? On dirait les enfants dans ma cave. Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. J'appelle la police. Pensez pour le doubleur quand même, hein. Le doubleur des mobs. Incroyable, il fait encore son émote ce con. Pourtant, je suis pas sur X en... comment dire... en bougeant la manette. Hein. Bizarre, bizarre. Ah bah c'était là-bas le bug. C'était ici le bug du mob qui se fait baiser par un fantôme. Vous voyez, j'ai pas découvert le jeu avec vous en live, mais au moins là, je peux vous parler des coulisses du tech. C'est beau. Pierre de confession. Non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, mon bonhomme. Alors, où est-ce qu'il est le coffre qu'on a vu tout à l'heure? C'est quoi ce bruit? Quelqu'un qui a envoyé un sort? J'ai pas rêvé tout à l'heure, j'ai vu un coffre. Ah, il est en bas. Il est là-bas. Il est là-haut! C'est pas un mimique. Ok, dis-moi que c'est un truc stylé. On va te faire foutre. Bonjour. Ok, bah je crois que j'ai plus rien à faire, hein, c'est cool. What? Mais vous êtes. C'est quoi ce repop de l'infini là? Stop! On verra. Et il y a plus de chances pour que je le fasse pas. Donc attendez-vous à pas voir de VOD sur Bloodborne. On verra. En tout cas, sachez que je ferai un live dessus, c'est sûr. Mais la question est de savoir si... si je ferai bien les VOD avec vous pour le découvrir.
quoi ce bruit qui fait bader là? Bonjour. Mais d'où tu sors? C'est quoi ce bordel? Oh là! Putain, elle gueule plus qu'une poissonnière de Ménilmontant. Ah ouais, bah bon courage à tous, hein. C'est là que ça sent la merde. Bon courage du coup. Parce que le mob qu'on a passé tout à l'heure, il est là. On est sûr. D'accord. Ah oui. Ouais. C'est ce qui me semblait. Quel bel organe. Je vous remercie. Oh, ça sent tellement la merde. Oh, l'open world est... Il est là. Il est là, Jamy. Je t'en prends ça. Merci. Ouh. Du monsieur, mais t'as jamais vu ça, monsieur. Ah, le con, il est coincé derrière un arbre. Ah, le nulos. Vieille merde. Eh, t'es trop nul. Alors, est-ce que d'autres items? Ah bah, y'a que dalle. Fleur verte, c'est de la merde. Ce mob, c'est vraiment un oursin sur les couilles, pour le coup. Dommage, bro. Ah, je pense que ça one shot. Trop chiant ce mob à la con. C'est vraiment l'attaque par laquelle faut pas te faire toucher. Allez, on recommence. Oh, mais c'est qu'il est rapide le coquinou là. Oh. Et ça me touche, d'accord.
ça me touche, hein, espèce de bâtard. Est-ce que j'ai raté un item? Je crois pas, hein. Non, je crois que c'est bon, j'ai tout. Je crois que c'est plus worth de l'affronter sur le pont, en fait. Autant s'en débarrasser tout de suite. Nous sommes bien d'accord. Scooby-Doo après son audition au crack. Ouais. C'est Scooby-Doo après le Covid. Scooby-Doo-Bidou. Where are you? Et là-bas, c'est quoi, du coup? C'est là-bas qu'il y a Yorn, je crois. Je sais plus. En tout cas, j'ai beaucoup trop d'âme pour continuer comme ça à faire le fanfaron. Fun fact, si tu le frontes stable, il va rester au sol indéfiniment sans vouloir se battre. Ah oui, donc comme un Dogo qui se ferait soumettre. Ah, c'est beau, ça. C'est beau. Ça, j'aime bien. Et les deux Dogo. Les deux Dogo. Quel deux Dogo? Ça, c'est con, ça. Ça, c'est con. Oh, je peux monter que d'un level. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Let's go. Où est-ce que je dois aller? On a soit descendre les escaliers, soit se barrer vers les égouts, là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est pas là-bas qu'il y a Yorn, on va voir. Allons par là. Attention. Des mages qui fuient. Ah. Bon, si vous êtes deux... Ça va être casse-couille. Ah d'accord, oui, très bien, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre dans son cercueil. Oui, il y a une sous-zone dans mes souvenirs, mais... À moins que je me trompe, mais Yorn, il est justement dans le coin, hein. Titanite, parfait. Je crois qu'on en a 3. Hein. Si je dis pas de bêtises. On en a 3, ok. Bon, après, attention, si j'ai envie de jouer une autre arme, faut pas non plus que je booste à mort cette arme-là. On va voir. Mais qu'est-ce qu'on a par là, là? Ah oui, non, mais attendez, mais il y a la zone où j'ai fait plein de mèmes, là, dans mon tech. Il y a la zone des... qui fait flipper. Avec les mobs qui crient comme des oufs. Ah bah c'est celle-là, je crois. Non? Oh putain, c'est le donjon d'Irithyll. Oh la 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 la. La fameuse zone, tu te chies dessus. Oh, le film d'horreur, quoi. Le Nemesis de Savon, une roue Dogo. Après, j'aime bien les Dogo, mais... Dark Souls, je les aime bien de loin, quoi. C'est sûr. Alors, en vrai, on peut faire le donjon maintenant, je pense. Bon, je vais d'abord passer par les égouts. Il faut que je pisse, moi. J'espère qu'en pissant, je vais pas évacuer mon skill comme d'habitude. Ouais, ok, allez. On va prendre un level et on va aller dans les égouts. Quoique, non. Non, non.
Je pense qu'on aura un bonfire avant Sullivan. On téléportera depuis ce bonfire là. À la prison, c'est. Je vois que des messages du style merde pas cette zone. Elle est très bien cette zone, les gars, très accueillante en plus, vous inquiétez pas, ça va bien se passer avec moi. Aucune mort sur la zone de la prison, vous inquiétez pas. Moi, ce qui me fait rire dans cette zone, c'est les petites sorcières avec leurs petits pas là. Qui te brûlent. Alors, attention, où est-ce qu'il y a des mobs? Oh, c'est le bordel ici. C'est pas les mobs les plus compliqués. Après, s'ils se mettent à plusieurs, bon. Elle loue la tête, il loue le cucu. Tu pleures? C'est nous. T'as plus de bras? C'est nous. Je me gerbe dessus. On dirait un Pokémon qui aurait mal tourné. Pokémon du petit Samy, le fils du stagiaire. Qui demande au dev, hey, on peut mettre le Pokémon de mon fils? Alors comment te dire Comment te dire? Ça crie, hein, ça crie. Une bouse, super. Pas d'item ici? Ok, bon. J'ai fait chier à limiter pour rien. Je pensais qu'il y avait un item intéressant. Le fils a vécu des choses pas nettes dans la famille quand même. C'est sûr. Là, à mon avis, je demanderais au mec, mais ton fils, il va bien? C'est toujours ce gosse là. À l'école, dans les films d'horreur, votre neveu slash fils a dessiné ça. Et tu vois des cercles noirs, genre. Sur un fond blanc. Au secours. Ça sent pas la merde ici? Si, dans mes souvenirs, on arrive aux soldats là. Wouah! Wouah! Comme dirait un grand roi. Ah, on arrive aux soldats, ouais. On arrive à la seconde où est fou, n'est-ce pas? Moi, je suis fidèle à la Claymore avant, mais Guinevere et sa belle personnalité, bien sûr. Alors, comme tout le monde, j'ai essayé de prendre à revers ce mec-là, sauf qu'au-dessus, il y a un chien de la casse, avec son arbalète à la con. Bonjour, monsieur. Oh le bâtard, il a les plis électriques, il est trop fort. Ah ouais, eux ils font ils lootent le grand fragment de titanite. Ok. Je peux voir la photo? Ouais, c'est cool. Ça. What? C'est quoi ça? Pas compris là. Il était en train d'admirer sa belle personnalité et tu le déranges. Ouais, mais bon, que voulez-vous? Ça va quoi. Je peux prendre les coffres ou tu vas me faire chier d'ici? Non, c'est bon? Ok. Bénédiction divine, d'accord. Ah, le grand marteau de Smaug. Et l'anneau du lion, donc ça c'était du coup un anneau que tu pouvais faire je crois avec avec les restes de Monsieur Einstein si je dis pas de bêtises, non? Mimic Wen, ah vous aimeriez bien hein. Ils sont pas gentils, ils sont pas gentils. Bon, je vais d'abord m'occuper de celui là-bas, celui de droite. Parce que sinon lui là, il va me faire chier. Allez, viens mon petit pote à la compote. Ça
sans capote. On va t'attirer loin de ton pote. What les dégâts? Oh putain les dégâts! What? Bonjour! Ça va? Ça va les dégâts? Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on prenne un café? Ou je sais pas non? Ça va là? J'ai jamais stable en plus. Sit. Know your place. En vrai, je peux peut-être les utiliser, les grands fragments de titanite, sans trop m'inquiéter si eux les lootent. Je pense que je pourrais m'en procurer plutôt facilement. Là, on peut déjà booster la clé mort par exemple. Oula, calme-toi mon bonhomme. Ah! Changement de pattern, attention. Attention, Jamy. Ah, il est. Je crois que le vase avait traité sa mère. Oh, je suis congelé! Je suis congelé! Oh putain, mais c'est quoi ça? Ça va être hardcore de l'atteindre lui du coup. Salut Will Smith. Tu t'es calmé depuis la remise des Oscars ou pas Will Smith? Ça va? Tu t'es mis au yoga un peu ou... Là, vous voyez ça c'est mon salon. Voilà, ça c'est mon salon. La même pancarte là de Winver et tout, c'est mon salon. Ok super. Oh là là, mais le grand fragment de titanite, mais let's go. J'ai rêvé où tu m'en as looté deux? Ah, je crois qu'il m'en a looté deux. Paix à votre âme, madame. Votre belle personnalité aura été appréciée de nous tous. Enfin, paix à votre âme. Si du moins vous êtes morte. Je crois qu'on sait pas vraiment en fait. Alors là ça sent la merde. Parce qu'il y a plein de dogo. Et le problème c'est qu'on est pas loin du bonfire. Donc si on crève c'est... Dommage. Qui a osé? Que j'hésite toujours entre les rats ou les chiens, hein, qui sont les plus chiants dans les Souls. Et vraiment, je crois que je suis à deux doigts de dire définitivement les chiens. Ah putain. Ah mais c'est pas fini en plus. Oh non. Eh bien, ça y va, hein, niveau grand fragment de titanite, on est bien là. Où est-ce que tu m'emmènes? Moi, je vais déverrouiller un raccourci là. Ah! Un raccourci déverrouillé, messieurs, dames, c'est bon. Ça, c'est cool.
vois où on est. Par contre, du coup, la situation de merde n'est pas finie, hein, dans mes souvenirs. Ok, encore un grand fragment de titanite. Ils veulent que je me booste, hein. Je crois que je l'avais jamais eu, celui-là. Oh. Compliqué, cette zone, quand même, hein. Puis j'ai beaucoup d'âmes. Bonjour. Bonjour à tous. Où est-ce qu'on est là? Oh putain, tout ce qui... Oh là là, bonjour. Ils sont beaucoup, dis donc, les petits coquins là. Je crois qu'il y en a encore un, non? Oh, la congélation, tu l'as vu, hein. Ça a failli. Tu l'as vu, la petite congélation. Je suis actuellement dans le donjon d'Irithyll. Je veux mourir. Je peux comprendre. Je peux comprendre, brother. C'est pas la pire des zones, mais en tout cas c'est la plus flippante, on va dire. Bien, bonjour à tous, comment ça va? Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, c'est ça que je voulais ouvrir, parfait. C'est tellement plus rentable parfois de skip les mobs. C'était bien passé. Non, y a rien ici. Ok. Bon, et bah écoutez, parfait. On a libéré l'accès à Petit Suivant. Monsieur Pontife, comment allez-vous? Cool, j'ai l'anneau de l'aîné solaire, je sais pas à quoi ça sert mais j'adore, c'est cool. Où est-ce que je dois aller? Je sais plus où est-ce que je dois aller. Oula, elle bug ton attaque, mec. Combien de tries suivant? Je parie sur 1 car tu es Fabio. Moi je parie sur, très exactement, 14. Je dirais 14 tries. Petit Sullivan de Popo, 35 000 âmes. Ah, c'est cool ça. Non mais en fait, je me dis pourquoi ne pas faire Yorn en premier. C'est impossible. Je pense pas que ce soit impossible. Que Yorn est plus simple que Monsieur Pontife. Enfin, plus simple, c'est compliqué de comparer la difficulté d'un boss classique à un boss à gimmick, mais. Ok, je crois qu'on a atteint le soft cap, messieurs dames. Je crois qu'au-delà de 42 force, tu prends plus grand chose en force. J'esquive une zone bonus. On parle bien du donjon, dirait-il, là. Je sais pas ce qu'il, mais je l'ai mis en stand-by, hein, si c'est bien le donjon, dirait-il. Ok, il faudra deux éclats de titanite. Comment ça, j'en ai zéro? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Ouais, je pense qu'on peut faire Yorm. On va faire Yorm. On va se faire ça, j'arrive, je vais pisser. Bon, ça va, pour le moment, on avance plutôt bien. Je m'attendais pas à passer la zone, dirait-il, aussi bien, ça va. Ça fait que 2-3 morts. Allez, j'arrive.